vraiment Dieu est au milieu de nous ce matin. Amen. Parce que nous pouvons servir un grand bon Dieu, un bon Dieu qui fait un miracle, un bon Dieu qui guérit, un bon Dieu qui délivre, un bon Dieu qui pardonne nos péchés, et un bon Dieu qui compte en nous. Mais la personne qui compte en nous, comment bon Dieu qui compte en nous. Et ce bon Dieu, c'est un bon Dieu qui nous servit là quand il dit compte en nous. Il n'y a pas de nous passer. Nous ne parlons pas de l'offense qui nous fait lire, nous ne parlons pas de nous faire lire, mais tel comme nous étions, sur les bras ouverts pour accueillir ce bon enfant. Et ce matin, il y a une grande grâce, il y a une grande bénédiction pour nous vivre un tel Dieu. Attendez ce matin, il y a une grande grâce. Parfois, nous disons, frère, connais, bon Dieu, papa, bénis-moi, frère. Bon Dieu, priez, bon Dieu, Dieu, ouvert ou lisez encore. Si il n'est pas béni, ou n'est pas vous vivant aujourd'hui. Si vous vivez aujourd'hui, parce qu'il est pas béni. Quand matin, comment vous levez, sommeil a cassé pour du pied en bas. Dieu, bon Dieu, merci. Mon récit est dimanche aujourd'hui. Le 31 décembre, du pied la repose en bas. Seigneur, vous remercie toi, Seigneur. Mon trou 365 jours, Seigneur. Vous sommeil cassé, Dieu, Seigneur, mon beau vivant. Sa grâce, mon Dieu. Sa même bénédiction là, ça. Pas une riche bénédiction. Non. Ou plus grande richesse que mon Dieu fait de nous, il donne nous à la vie éternelle. Qui pas personne pour qu'on ait coquin, personne ne soit capable vraiment de nous dire faire mordaille avec vous. Personne ne soit capable de toucher ça. Amen. Qui ne fait pas capable de toucher parce que c'est bon Dieu qui donne ça. Amen. Et ça, bon Dieu, il mérite sur la gloire. Et ce matin, sont-ils heureux ce matin dans la présence de Dieu? Et sont-ils très à l'aise? Ce qui fait venir nous pour la première fois, vous êtes la bienvenue. Peut-être vous pouvez dire, mais vous ne pouvez pas comprendre qui peut dire, qui peut causer là-bas. N'a pas inquiétude. Nous, si nous sommes comme ça, quand vous prêchez, vous pouvez être à droite, à gauche, qui peut dire, pas comprendre. Il n'a pas comprendre, pas comprendre. L'homme, il commence à se couler, vous avez tellement compris. Amen. Parce que Dieu fait tout pour les guerres. Donc, quand nous ne pouvons pas comprendre, moins zéro. C'est la même bon Dieu qui rentre. Si nous disons, je compte tout, moi, je ne suis pas capable, bon Dieu, mais je compte tout au même moment. Quand nous disons, nous ne sommes pas capables, nous ne pas connaissons rien, bon Dieu dit, moi là, pour enseigner. Amen. Quand nous disons, nous ne sommes pas capables, Dieu dit, moi là, pour donner toi ça la main là, pour tirer toi. C'est pour ça que nous disons, nous sommes un peuple qui n'est mis à part, nous sommes un peuple rempli de la bénédiction de Dieu. Et ce matin, nous vous trouvons nous, la Bible. Dans le livre de Michée, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, bon, on va voir la Bible. Et qu'on a bien plus qu'il nous tourne. Michée, ouais, très bien. Alors, ce mamie à la maison montée. Alléluia. Très bien. Alléluia. Oui, un bon du pasteur. Il va monter. Amen. Et beaucoup de choses qui parfois nous posent question, nous dire Molé ça, vous pouvez faire ça, molé comme ça, molé de sa façon là, molé de sa manière là, molé pour lui comme ça, molé pour lui, réagir comme ça. Mais nous avons posé une question un jour dans la vie, nous dire, mais bon Dieu, toi qui te demandes toi. Amen. Toi qui te demandes toi. Amen. Tous les jours dans la prière, nous demandons bon Dieu. Parce qu'il est biblique. J'ai demandé, pas dans l'autre. J'ai demandé, vous recevrez. Mais nous nous posons la question dans nous-mêmes pour nous prier. Mais Seigneur, toi qui te dis, toi qui te demandes moi, toi. Qui te demande moi, qui te l'est de moi, qui est capable de toi. Et nous ne pouvons pas donner mon Dieu n'importe quoi que ce soit. Mon Dieu, c'est quelque chose qui précise. Quelque chose qui, parfois, nous pas casse la tête au lit, mais ça même Dieu, parfois, autre quelque chose là. Nous pouvons, nous, la Bible, dans le livre de Michée, le chapitre 6. Qui bon Dieu demandait de la force au peuple?
Qui bon Dieu demander avec chaque enfant bon Dieu? Qui bon Dieu demander? Qui bon Dieu attend? Nous voyons que cela dans la parole de Dieu ce matin. Dans le livre de Michée, le chapitre 6, le verset 8. Dans quelques minutes, je vais lire le tout. Je vais suivre le bien important, ça verset là. Merci Jésus. Et dans la vie, l'homme, on dit l'homme en général, tout le temps il y a un choix pour faire dans son avis. Mais tous les qui sont, ils trouvent dans l'homme le bon choix, trouve dans l'homme, mais le mauvais choix s'y trouve dans l'homme. Et nous voulons guetter en faisant le bon choix qui nous gagne après. Qui la Bible, qui la parole de Dieu, ni déverser encore dans nos vies quand nous faisons le bon choix. Mais quand nous faisons le mauvais choix, qui conséquence est non dans les mauvais choix. Quand nous disons le bon choix, nous faisons un bon choix, après nous prenons une bonne décision. Le bon choix les accompagne avec une bonne décision. Mais le mauvais choix les accompagne avec une mauvaise décision. Une bonne décision et un bon choix et une récompense. Juste ensemble, une récompense. Mais un mauvais choix et une mauvaise décision et une conséquence. Et non, conséquence. Et tous les deux, l'immense, presque ensemble. C'est nous qui décidons. Ça, c'est l'introduction du message. Quand Jésus lui-même, quand il passait de ville en ville, de village en village, il guérit les malades, il fait ça, et bien, grand quelque chose, il quitte le choix dans notre vie. Il quitte la décision dans notre vie. Et la place, il dit, quitte la foi sauve toi. Que la foi les guérit toi. C'est ton choix. Dépend comment la foi était, comment tu amènes la foi. Mais dans le ce matin-là, mais seulement Dieu finit pour nous sa bénédiction. Quitte la foi sauve toi. Tu comprends ce matin? Amen. Donc, le choix. Le titre de ce message ce matin, le choix. Et non, le bon choix dans nous. Nous sommes capables de faire un bon choix. Dès que vous faites vous expliquer ça, bien tout à l'heure ce matin avec l'aide du Saint-Esprit, quand vous avez un bon choix, vous faites un bon choix dans la vie, vous ne prenez pas tout une décision positive. Amen. Et quand vous prenez une décision positive, et dans son récompense après. Amen. On ne prend pas tout le fruit de sa bon choix-là et sa bonne décision-là. Amen. Mais si vous prenez un mauvais choix, le mauvais choix, il pousse, il accompagne vous avec une mauvaise décision. Et les mauvaises décisions se fruit maintenant et les conséquences. C'est la souffrance, le pleur, le chagrin, le regret ou regretter. Pour nous, on décide ça comme ça. Pour nous, on choisit ça. Vous comprenez ce matin? Pour nous, on choisit ça. Si on partit choisir ça moi-même, et vous partit pour arriver ça aujourd'hui, vous mal choisirez. Mal faire le choix et la conséquence. Et nous pouvons trouver dans la Bible, nous pouvons payer nous dans la Bible comme tous les temps, ça l'église dans la pile de la Bible, nous pouvons avoir une référence. Quand une personne, il fait un mauvais choix et il prend une mauvaise décision. Et là, finalement, peut-être la réparation, mais elle n'est pas finalement la réparation. Mais aujourd'hui, mon Dieu, Dieu soit loué. La porte de la grâce est encore ouverte. Amen. Nous sommes capables de refaire le choix. Nous sommes capables de descendre la décision. Amen. Parce qu'il nous a appelés pour faire toutes les choses pour la gloire de Dieu. Amen. On commence. La lecture, c'est juste une introduction. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques le droit et que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.
Pour réveiller encore une fois, ouvrez-nous les cœurs. Dieu bon Dieu, ouvrez-moi l'intelligence pour comprendre sa parole là. Et moi les connais encore plus ce matin. On t'a fait connaître aux hommes. Tu n'es pas capable d'être dans l'ignorance. Tout qui sort, bon Dieu, dévoile-nous et fais-nous apprendre, fais montrer nous et enseigne-nous. Ce qui est bien. Aujourd'hui, chaque chrétien est capable de discerner, déterminer ce qu'il peut faire, le bon ou le pas bon. Veut dire que le bien, que le mal. Et ce que le ténèbre demande de toi ce matin, il ne demande pas de toi ni l'eau, ni l'argent, ni richesse. Il ne pas demande de toi noyer les choses et matériel de sa lémon là. Mais quelque chose qu'il demande de toi ce matin est un lien en toi. Et là, pour lui demander de dire, tu es non en toi. Amen. Ce qu'il lui demande toi ce matin, c'est que tu pratiques le droit. Dans la version, il dit, pratique la justice. Tu pratiques la justice. Et qu'il te aime, que tu aimes loyauté et que tu marches humblement. Humblement. Avec ton Dieu. Nous coupons la tête, nous bénis Dieu pour cela. Père Saint, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous louez toi ce matin, vous priez, vous bénis toi ce matin, vous glorifiez toi. Vous exaltez moi, vous donnez toi toute la gloire, qui te mérite toute l'honneur. Grand et merveilleux, tout puissant, Saint-Esprit de Dieu, on demande toi ton vraiment directive. Aide-moi, Seigneur, pour vous capable, mon Dieu, conduire sa peuple-là dans vos paroles, Seigneur. Mon glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Mon lié tout ma puissance des ténèbres à l'atmosphère, ma principauté de ce monde, ma esprit de voyageurs, ma tasse, ma légion, ma esprit, vos sept lits de la Bible au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'intelligence, la pensée de sa peuple-là, les délivrer, les libérer, vous êtes capable, mon Dieu, recevoir tes paroles. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et nous écoutez très attentivement ce matin ce que Dieu dépose de nous l'équerre pour partage à son Église. Amen. Tout d'abord, un message n'est pas sorti dans nos livres. Nous prenons un livre qui tout message de mettre là-dedans, que je nous prenne un livre, nous tirer, nous avons dit, nous allons prendre ce message-là. Si tu es comme ça, moi, je dis tout le monde, tu veux le pasteur. Ce n'est pas non plus dans peut-être un notebook quelque part, qui garder, qui nous envoie un message. Nous disons, voilà, il nous trouve un message, on emmène ça devant Dieu. Et nous le faire ressortir quelque chose de très important, qu'il est bon que le peuple de Dieu le connaît comme un message d'atterrir dans l'Église. Tout d'abord, moi, appelle ça, tu dis, Dieu, financez-moi. Moi, appelle sa place là un hôtel. Une place qui est sacrée, quand sa parole est posée, sa parole est prêchée. Sa place là qui était ça, Lisa? C'est ça ensemble, Lisa? Sacrée. Sacré. Pour prêcher sa parole qui est trois fois saint là. Parole là, combien de fois saint? Trois fois saint. C'est un Dieu qui est trois fois saint, qui nous donne sa parole. Inspiré du Saint-Esprit qui est trois fois saint, pour prêcher sa parole qui est trois fois saint là, besoin Dieu lui servir, lui sert son serviteur, purifier, sanctifier, laver par le sang de Jésus. Quand il sanctifie son serviteur, lui purifie son serviteur, là il prend sa parole qui est trois fois saint là, lui canalise lui à travers sa serviteur là. Pour capable parler sa parole là. Si mon lavis pas droite, il pas en règle, mon pas pour capable prêche une parole qui est trois fois saint. Amen, amen. Dieu pas pour laisser ce parole canalise à travers de moi. Si mon pas saint, mon pas propre, mon pas pur, mon pas juste, mon pas honnête. Mon pas droit devant Dieu, Dieu pas pour laisser sa parole passer, vous expliquez ce qu'il fait. S'il ne passe pas un serviteur de Dieu, sa parole là, la parole il sortit, il n'a pas fait aucun effet dans la vie de sa peuple là, non, bon Dieu, il y a de la streamer. Amen. Tu comprends ce matin? Amen. Non, bon Dieu, il y a de la streamer.
Et bon Dieu, c'est pour cela que c'est lui-même qui choisit un bon serviteur, un bon choisir, bon homme, sale, inutile, rien du tout peut en valer. Lui choisit les autres, lui moins les autres. Et il prend ses paroles maintenant, il met dans la bouche, il dit, allez à l'école de la forme de l'Éternel. Amen. Je gagnerai pas, écoute-moi. Je gagnerai pas pour moi considération. Je gagnerai pas de moi aucune importance. Mais c'est moi pas fait même erreur qui vous fait avec moi. N'a pas fini avec sa parole là. Pas fait erreur là. Ça trois erreurs qui me dit vous capable de faire avec moi. Vous capable de faire. Mais n'a pas fini avec la parole. Amen. Parce que la parole a été faite chair. Amen. La parole est Dieu en personne. Amen, 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 amen. C'est pour cela que la parole lui prêchait à ce peuple pour libérer ce peuple, pour délivrer ce peuple, pour enseigner ce peuple, pour corriger ce peuple, pour encourager ce peuple, pour édifier ce peuple, pour fortifier ce peuple, et plus spécialement, sa parole-là fut envoyée pour préparer ce peuple. Amen. Si c'est là pour préparer, vous faites rentrer dans la cage de Bélair, je prends un petit cornet, je vais faire un mot, je vais mettre ça, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que je vais couper pour rentrer dans la cage de Bélair. Mais là, il ne faut pas rentrer dans la cage de Bélair. Amen, 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 amen. Ni pour parole de Glenn Paul, pas quoi ça. Amen, amen. Sa livre-là, sa parole-là, sa la Bible-là, guette-lui bien. Si là où la mettre à pivot, ça mène la Bible pour amener nous un jour dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Ça mène pour amener nous dans la parole de Dieu. Ni le pas envie pour amener nous dans le royaume de Dieu. Ni frère Gérard pour amener nous dans le royaume de Dieu. Ce parole qui peut amener nous dans le royaume. Amen. Prends considération quand la parole de Dieu nous prêche. Amen. Pas laisse la parole de Dieu rentre là, saute là. C'est un jour sa parole là même pour Zizou. Amen. Amen. Vous connaissez ça? Il est écrit, il est écrit, il est écrit dans le projet. Quand tu es écrit. Dans vos paroles, tu sais, Seigneur, c'est toutes tes paroles. Même moi, je dois lire dans le livre sacré. Mon chéri, dans le livre sacré, la parole là, mon ami, dans ton équerre. Toi qui t'en fais ton équerre, bon Dieu connaît. Tu dois dire, Seigneur, dis les pagales, hein, ça te pagale, ça te problème. Mais il n'y a pas le même temps pour faire te dire les pagales, hein. Il finit pour te dire ton équerre dans pagale. Il fait que l'équerre est normal. Et que ça l'équerre est un toi de bon Dieu. Amen. Et ça, ce matin, nous venons adorer le Seigneur. Et que ça l'équerre est un toi de bon Dieu. Amen. Au donc que ce matin, maintenant, nous venons dans le message ce matin. Et nous écoutons très attentivement qui sa parole-là pour dire nous ce matin. Arrête, prends parole de Dieu à la légère. Si l'on vit relax, après la réunion, et dans l'endroit dans le sud, appelle Bouchon, le Bouchon. Une jolie base encore, on appelle la Cambise. Ou on vient le Fic en Flac. Ou on vient le Choisi. Quand on vient aller n'importe qui la place, ou le relax, ou le relax, ou le détente. Mais n'a pas vu de relax. Dans la présence de Dieu, lui, pour louer, pour adorer, pour écouter et pour faire Dieu. Ou faire ce que Dieu India vous faire. Amen, 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 amen. Parce que nous venons pour glorifier Jésus. Amen. Si Jésus de la terre lit Jésus, fils de Dieu, il dit, vous voyez qu'il peut dire ce matin. Si Jésus lui-même lui peut dire, quand on a un Dieu, il fait ça, il dit, écoutez. Pourtant, Jésus, qui était-il? Ensemble. Fils de Dieu. Pas qu'un rien. Fils de Dieu. Encore plus fort. Fils de Dieu. Si lui, le Fils de Dieu, aujourd'hui, peut assister à la droite du Père, tout pouvoir vient mettre dans la main. Quand le latin en chair et en os, lui-même dit, hé, écoutez, ce qui te plaît, dis-moi là. Vous pas pour faire rien.
Parce que je ne peux pas faire ma volonté, moi. Je ne peux pas faire volonté, c'est lui qui l'a envoyé, moi. C'est mon papa qui est dans le ciel. C'est lui, Dieu. Il ne peut pas faire sa volonté dans la terre, fils de Dieu. Mais nous, qui nous refait nos volontés dans la terre? Qui fait nous refait nos volontés? Nous besoin finir dans toutes les choses qui nous fait la volonté de Dieu. Amen. Dans toutes les choses qui nous fait que le nom de Dieu est glorifié. Amen. Oh, donc ce matin, on t'a fait connaître aux hommes. Il faut t'en connaître ce matin. Il faut t'en connaître ce matin. Amen. Il y a tout ce qui nous a dit ce matin. Donc on est ce matin, ce qui est bien, c'est que et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, ce qu'il appelle la justice. Oh, donc tout du monde dans la vie, il y en a sans liberté, sans liberté donne lui son droit de faire quoi, son droit de choisir pour faire le choix. Ça, Dimoun est dans son droit pour lui faire son choix. Il est libre pour faire son choix. Mais seulement quand nous faisons le choix, nous devons connaître tout d'abord qui qualité choix qui nous peut faire dans la vie. Est-ce que ça choix qui me peut le faire là? Lis dans les plans de Dieu. Est-ce que mon Dieu pour prendre plaisir là-dedans là? Parce que mon indécision pas le point. J'ai une décision. Dans ton choix, tu as une décision pas le point. Est-ce qu'il peut faire le bon choix là? Et tout le bon choix qu'il nous fait avec une bonne décision et une récompense. J'ai une récompense. Récompense. Récompense veut dire dans ce qu'il te peut le faire là et la bénédiction. Bénédiction veut dire dans sa choix de faire là et que sa décision là, tu parles réussir et dans le succès, le bonheur, la victoire, la bénédiction, la porte là lui ouverte, tu réussis dans ta vie, ça s'appelle bénédiction. Amen. Mais dans les mauvais choix qu'il nous peut faire, nous ne pouvons pas faire, nous pouvons prendre nous dans nos libertés, nous pouvons faire un mauvais choix et au saute côté où on vit, moi je dis à dès que vous allez faire un mauvais choix ou décision si vous mourrez. Vous n'êtes pas capable de prendre de la grève en cause. Après, vous dites, on a mis un gros lâcher, on a mis un gros couteau qui coupe bien pour vous couper pour l'endroit, la première plante. Shoot plante, moi, en cause. Question pour un champion. Sur le plan de ma gauche, attend que vous cassez ma gauche. Soit vous cassez les verres, soit vous cassez les tannes, soit vous cassez les pleins, vous laissez plein, soit vous laissez une mire, une zone, juste pour que les grilles soient jolies dans le jardin. Soit vous cassez les grilles, vous cassez les verres, et ça, la comme ma gauche, et ma gauche qui mire les zone, quand les zone, on a la grille rouge. Moi, j'ai planté, moi, j'ai planté. C'est qui vous choisirez, le choix qui vous fait, pour moi, c'est que ça vous venez une décision, ça soit là, vous prenez une décision, ça décision là. Pour moi, c'est que ça soit là. Et ce résultat, il vous venez après, d'après le choix que vous venez faire. Amen. Et d'après la décision que vous venez prendre. Qui ce soit, c'est que vous décidez le bon. Et qui ce soit, c'est qui ont décidé les mauvaises. Et la récompense et la conséquence. La conséquence, vous pouvez souffrir. Donc, bien sûr. Vous pouvez souffrir. La conséquence, vous pouvez souffrir. Qui fait vous souffrir? Parce qu'ils ont mal fait le choix. Et vous avez mal prendre des décisions. Maintenant, nous guettons dans la parole de Dieu, nous guettons dans le verset de la Bible qui vous supporte le message. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, les versets 3, nous écoutons ce matin. Il dit, mais quand Dieu fit créer l'homme et la femme, fit mettre dans un jardin qui a toutes les choses
à l'abondance. Ça la terre là aussi, pareil comme ça au jardin d'Éden là. Dans ça, la terre qui nous peut vivre aujourd'hui là, tant bien le matin, peuple de Dieu, elle a beaucoup de fruits dans sa jardin qui nous peut vivre aujourd'hui là. Amen. Tout qualité qui saute, tout qualité fruit, vous pouvez prendre ça, un fruit qui est là dans le supermarché là, là. Hein. Mangue, pommes, oranges, bouillard, on peut parler de tout ça là. Là. Vous verrez toute l'intelligence de cet esprit, vous verrez qu'on croit bien ce matin. Tout ça, un fruit qui est là sur la terre, qui est là dans le jardin d'Éden, Dieu donne tout ça fruit là pour guérir. Parce que la création même, ça crée tout ça là. Dieu. Il compte tout pour guérir. Mais c'est moi là tout pour guérir qui lui connaît, lui avertit sur la création de la terre. Dieu est une création de Dieu. Création de Dieu. Dieu crée. Nous connaissons mon Dieu, nous ne pas connaître, moi, mon frère, vous connaissez ce grand matin, qui peut la personne qui nous crée, nous, c'est le peuple mon Dieu. Amen. Lui-même, il crée. Qui culture nous était, qui religion nous était, qui nous était quand nous tombons, le poussin, quand nous disons, aïe, mon Dieu, poussin cassé, nous connaissons. C'est moi qui trappe, non, mon Dieu. Un jour, quand je dis, on va bien, là, dire, à ce temps, on connaît que c'est un bon Dieu, là, ça. Amen. C'est ça, quand on dit, dimanche, nous prions un bon Dieu à peu près, il n'y a pas connu laquelle, ça, ça, là. Nous prions. Et quand on lisait à l'ouvert, là, on connaît, l'autre, tout ça, un bon Dieu, là, l'autre, tout ça, un bon Dieu, qui sait, on s'est crié là, mais il y a un plus grand, l'autre, tout ça, un bon Dieu. Amen. Oh, donc, Dieu, comme maintenant, il parle avec sa créature. Nous faisons connaître le bien et le mal. Nous faisons connaître, Dieu veut nous connaître le bien et le mal. Nous écoutons tous les fruits qu'il trouve dans le jardin, autour de tout, mangez tout fruit pour manger, manger. Manger, moi qui crée ça. Mais ce fruit qu'il trouve au milieu du jardin là, ni de manger, ni de pousser. De ce grand amour, ce grande sagesse, nous finis avertis l'homme. Il montrait les dangers qu'il y a. Pareil, nous avons vu l'eau sur la terre là. Tout qui saute tout autour est dans le au milieu de nous. Dieu disait, mais là, tout ce qu'il y a, t'as vu mon équipe, t'as vu mon fruit, t'as vu cette ration, chère ration, t'as vu mon spaghetti, boulonnaise, t'as vu mon mayonnaise, t'as vu mon. Mange tout. C'est moi au milieu des mondes là et n'est fruit de pas manger dans les mondes. Quand nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est les fruits du péché. Ça ne peut pas pousser le mythe. Même pareil aujourd'hui. Mais pareil aujourd'hui. Parfois, nous quittons tout, puis qui est là partout, sans même pour les toucher. Mais c'est ton choix. Apportez-vous tout le monde au moins, vous. Vous comprenez ce matin? Amen. Et donc, quand il fait des autres, et tout le corps de fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous ne touchez pas, sinon vous mourrez. Et pour dire, Dieu a dit. C'est ça qui dit ça? Dieu a dit. Dieu qui dit ça. Mange tout, mais n'a pas mangé. Malgré fin averti, malgré fin mettre en garde, malgré fin finir ou vers autres lisiers, malgré qu'il vraiment, peut-être on a tiré l'intelligence au beaucoup, on ne pas connaître, malgré qu'il y en a ça, il faisait comprendre les choses. Écoute bien, par exemple. Tout ça fruit qui est dans le hasard, vous voulez vous faire. Vous voulez qu'on ait l'air manger. Vous voulez qu'on ait envie de manger. Regardez combien de jolis fruits, mon gré, mon métier là. Manger, c'est tout ce qui est envie de manger. Mais c'est moi, ça fruit au milieu là, ben, il y a des pommes, ça ne va pas connaître qui est ça. Tu comprends? Elle a qu'à faire tes pommes d'abord, elle dit, pas pour ça. Ça a un petit manger là. Pourquoi on est quand tu n'as trop ça? Parce qu'il voit trop pour moi. La plupart pour pas des pommes. Il tient le fruit. Oh donc, mange tout, mais sa fruit là, sa pied là, ni te touche ni, ni te mange sa fruit là. Le jour où tu peux manger, tout va. La femme, maintenant, lit. Quand le serpent vient venir, le diable est déguisé. Il dit, est-ce qu'il réellement bon Dieu dit ça? Vraiment bon Dieu dit touche tout, mais ça va pas toucher.
Vraiment, bon Dieu dit, mange tout, ça n'a pas mangé. Vraiment, il dit ça. Il est trouvé maintenant devant l'arbre du fruit. Puis il est là, l'île là. Il veut faire un choix. Il fait le choix. Malgré que bon Dieu fait une ouverture sur l'intelligence, une ouverture sur l'hygiène, une cette l'écaille là. Une cousine vient lui tendre, parce que pendant que tu es en bonne santé, pas chez la maladie. Dans un Eden, pas chez la maladie. Ni Adam, tu es malade. Il dit que tu as une douleur des dents, une maladie légère, il dit que tu as une cataracte, sur son oreille, il dit que tu es bouché, il dit que tu as un appareil tendé, non, rien. C'est pour ça que tu souviens de vous pour voir l'exemple. Mais c'est naturel, comment bon Dieu le crée? Nous aussi, bon Dieu, créons naturel. Mais malgré tout cela, maintenant, quand Ève, elle la voit, peut dire, réellement, bon Dieu, gâte-toi ça. Pour elle-même, il n'a pas besoin de manger. Mais bon Dieu, viens, embête-toi. Bon Dieu, là, ça loue pour retenir plus grand qu'il est. Tout qualité pensée. Tiens, tout qualité pensée. Rentre dans nos pensées. Et quand tout qualité rentre dans nos pensées, c'est la même qui nous parfois nous a fait un mauvais choix. Amen. Tout cas des pensées. Alléluia. Et tout cas des pensées quand on prend en considération, les vous pousse nous dans un mauvais choix et les vous pousse nous dans une mauvaise décision. Mais si nous écoutons une seule pensée, si nous écoutons une seule voix, si nous écoutons seulement qui bon Dieu l'a dit. Jamais nous faire un mauvais choix et jamais nous prendre une mauvaise décision. Parce qu'il fait, moi écoute un seul, là, la voix, descend ensemble. Moi écoute un seul, elle sait la voix. Et elle sait la voix qui cause les peuples de Dieu, qui cause les enfants de Dieu, qui cause les pasteurs, qui cause les serviteurs de Dieu, qui cause les manouettes de l'éternel. Elle sait la voix. Amen. Sauf parole. Amen. Ce parole qui dit, ce qui vous permet de décider là, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est bon Dieu pour prendre plaisir à ça? Est-ce qu'il est bon Dieu pour glorifier dans ce qui vous permet de faire là? Est-ce qu'il est bon Dieu pour élever de sa décision là? Maintenant, si ni bon Dieu son nom l'élever, glorifier, ni non bon Dieu l'être, comment nous dire élevé au-dessus de tout, et nous pas le prendre une mauvaise décision, pour qui non nous pas le glorifier là? Pas bien l'école. Pour qui nous pas l'écouter? Si nous écoutons l'autre là, nous pas glorifier son nom, nous pas l'élever, nous pas donner la gloire, nous pas l'approuver sur la voie qu'il est dit nous, nous pas l'approuver, nous pas le mettre en action. Et ça qui est là avec lui, peut-être non, rien n'est bon avec lui. Quand on écoute lui. Vous connaissez pour qui il peut dire là non? Vous connaissez pour qui nous peut dire ce matin là sur la voie là? Mais peut-être n'a rien de bon en lui. Parce qu'il n'est pas venu pour ranger lui. Il n'est pas venu pour compter aux bénédictions lui. Il n'est pas content pour réussir dans la vie. Il n'est pas content pour y avoir succès dans la vie. Mais Dieu est content pour vos succès au bonheur. Dieu est content pour vous réussir dans la vie. Qui fait sortir beaucoup de monde dans la vie, sont malheureux aujourd'hui. Qui fait beaucoup malheureux, qui fait beaucoup souffrir, qui fait beaucoup tourner en rond dans la vie aujourd'hui. C'est pas un mauvais choix qu'il a fait faire dans la vie. Pas un mauvais choix. Quand il fait un mauvais choix, il n'a pas de mauvaise décision dans trop vite qu'il prend une décision. Parfois, vous-même, avant de prendre une décision, vous réfléchissez beaucoup. Parfois, vous dites, on va faire ça, on va faire ça. Après, vous allez m'assister, vous comprenez que vous allez un côté tout seul, mal régressé à ce moment-là. Pendant la vitesse, dans vite, ou soit dans le bouleversement, ou soit dans l'équipe d'irritation pour hériter, ou soit dans une tempête, mauvais passé, mon père pour prendre une décision, pour comme il finit pour une décision, trop tard. Quand nous dit le petit mot en français, les carrosses. Trop tard. Après, vous êtes qui, mon alphère? L'état de guerre, ça dégâts. Sa décision qui monte pour là, ce dégât, ce résultat, ce conséquence, d'avoir guetté ça, il est trop tard.
Les labias. Aïe, aïe, aïe. Si moi tu connais, moi pas le faire ça. Tu comprends l'église ce matin? Amen. Si moi tu connais, si toi tu connais, si Dieu il fait te connaître aux hommes, il fait te connaître le bien, il fait te connaître le mal, il fait te connaître négatif, positif, code négatif, trouver code positif, trouver code bénédiction était, code malédiction était, bon Dieu demande de toi. Seulement, il mal fait choix. Lecteur, aime maintenant, trouve-lui maintenant, demande l'ordre, cette fois-ci. Là, voilà Dieu. Réellement, ton bon Dieu, dis-toi ça. Fais-moi ça. Et le diable connaît si l'immense ça qui peut arriver, il connaît. Il connaît pour les chutes là dans le jardin d'Éden. Il connaît pour les chutes là. Les connaît pour la séparation là entre Dieu sa création et son Dieu son créateur. Les connaît les vies pour casser là. J'ai mis pour casser. Les vies pour casser. Les vies pour casser là. Si vous pas ouvert ou lisez bien ou pas guette-li, ou n'a pas ouvert sa oreille là, ou écoute-li bien ou discerne-li, les casser, les éclater, les mettre tout plat dans un noyau, les dire, il fait tout ça tenace. Fini, il détruit. Une vie pour... Dans le sol d'Éden, il peut une rentrée. Quoi, il perd lui? Vous voulez faire ma paix? Fais ma paix. Qui peut me dire? Qui fait ma paix? Même devant dans le sol d'Éden, il est rentré. Même dans les déserts avec Jésus, il apparaît. Il était sur les fils. Qui fait ma paix comme ça? Qui fait ma paix? Il est plus fort que mon Dieu, lui? Non. Vous voulez faire ma paix? Il dit, hey, pour finir, moi, finir, mais moi. Pour pas avoir d'être gifé, mais moi. On comprend aller, Esther? Qui vous paie? Qui doit faire mon coup? Qui doit faire mon coup? Moi, finir condamné pour l'éternité, moi. Pas moi, pas Frère Jérôme. Attention, mon Dieu. C'est juste pour le faire rentrer à l'image, moi. Amen. Il finit condamné pour le brûler, pour le brûler. Son condamnation, il finit prononcer ça. Lui déguise en l'ange de lumière qui était caté l'ange, te déguise de faire tout ce qu'il a envie de faire, mais tu finis chaud dans le JP. Il connaît. Il connaît. Et quand il rentre, il a un médecin, il causait. Malheureusement, pendant qu'il causait, il écoutait. Il y a le fait ce soir. Pourquoi est-ce qu'il longuait sur la métierité? Il n'a pas eu la main. Il casse fouille là. Il peut désobéir au bon Dieu. Il peut désobéir à bon Dieu. Malgré qu'il bon Dieu finit cause en lui, il lui a le faire ce qu'il lui pense pour faire. Il a envie de manger. Il est cassé. Quand il est cassé, il finit manger, il n'est pas arrêté la même. Le diable est risé. Le diable vient me tient un coup de balle, c'est mon gars, un mois, il a une balle dans mon physique. Mon problème deuxième. Il a le point, il a donné. Adam. Alors, si tu m'as parlé là, ça l'est là, les filles mangent. Dans la carte, parfois, un prend une mauvaise décision, l'autre s'il est enveloppé dans une mauvaise décision. Tu comprends? Enveloppé par là, enveloppé, tu dis, j'ai poussé, mangé. Mais quand la faille est levée, il est pour tout l'aider. Amen. Je ne sais, mais. Je ne sais, mais. Quand Dieu est retourné, Adam, où es-tu? Je pensais qu'il bon Dieu pas contre nous. Bon Dieu contre nous. Amen. Moi, je dis, dans sa temps, dans sa époque, dans ce moment-là, Adam, tu es lié au pied de Dieu, Seigneur. Pardonne-moi pour ça, erreur, mon affaire, mon désobéir à toi. Peut-être. Donc, tu ne vas pas comme ça. Amen. Mais il n'y a pas moi ça, lis ça. Lui qui encourage moi pour manger, ça c'est pas déjà moi qui commence le sirop. Et tu peux manger, tu si tu veux couler. Tu peux aussi baver. Tu ne baver. C'est pas le bébé de manger, mais que toi, ça va déjà manger, moi, baver. Et tu es moi qui vous kimé là. Mais pour te baver, quand la faille a levé, tu kimé. Mais comprends ce matin, c'est qui va comprendre les bébés de Tibou, Tia, Fadja, Rafa, moi, comprends trop là. Bien compris. Fini manger. Quand il finit manger, le diable dit tiens la dé. Dans sa famille, là, tiens la dé. Moi, je finis avec tous les dés.
Aster, quel résultat, Aster. T'as qu'un guetté, t'en as fait avec eux. Avant, pas de guetté, pas de t'en fait. Pas de trouver, parce que pas de t'en fait. Dieu revenait, Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché derrière les arbres. Qui fait de mes cachettes? Tu quoi il va être caché? Je suis nu. Comment te connais? Seigneur, ça madame tonne de moi là, Seigneur. Ça, tu guéris comme ça, Seigneur. Grâce, les gens, tu m'as tombé, Seigneur. Bon, je peux penser, si tu dis ça pour la semaine, un acte de repentance, et tu peux dans le sens. Mais il peut dire ça dans un sens de pour justifier. Pas moi, ça, Seigneur. Ton même ton de moi, ça, madame, là, pas oublié. Toi qui, non, moi, tu es tout seul, moi. Moi, tu dors bien, moi. Moi, tu sens, madame, moi, tu dors bien. Moi, tu sens. Moi, tu dors, madame, moi, tu dors bien. Toi qui donne moi ça, qu'est-ce qui a des madame ton donne moi? Sorti, c'est lui-même qui fait ça. Rap madame, mais toi qui fais ton faire ça avec lui? Le Seigneur te connaît pas moi ça. Ça serpent là ça. Ça serpent là qui ne tient pas moi ça. Pas moi ça, pas lui ça. Mais Dieu qui ne tient toi. Qui Dieu qui ne tient toi. Et ce matin, c'est la même question que vous pose l'église. Ce matin, dans les livres de Michée, chapitre 6, verset 8, qui Dieu vient toi ce matin, qui lui peut atteindre toi, qui lui peut rouler avec toi ce matin. Et ce qu'il dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen, 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 amen. Que tu aimes la loyauté. Alléluia. Et pour ça, soit qu'ils ont fait là, je vais prendre une mauvaise décision. C'est ça, mauvaise décision. Mauvaise décision et qu'un mauvais choix. Qui dit dans l'autre? Récompense. C'est ça faux? Par ici, tout est ensemble faux? Par ici, tout est ensemble? Conséquence. Mais nous, quelles sont les conséquences? Un mauvais choix qu'il y fait ou un mauvais décision. Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden. Fais la place pour toi qui désobéir un Dieu qui est trois fois saint. Fais la place pour vous en faire connaissance. Mettre vidéo. Nous allons souffrir à ce terme. Quand on met vidéo, Dieu maudit le sol, la terre maudit, là maudit, ça maudit, ça maudit, tout maudit de bien côté. Je t'en réfère aux autres la vie. Quand on réfère aux autres la vie, je t'en ai un enfant maintenant. Caïn et Abel. Et là-dedans, Dieu, tu veux prendre plaisir? Et là-dedans, Dieu, pas tu prends plaisir. Sur l'offrande par la grève devant mon Dieu. La jalousie qui rentre dans lui. Nous avons fouillé à les mains. Quelle est racine qui s'en a? Oui. Dans cette génération, son racine qui s'en a. Allez-y. Parents. Allez-y. Parents. Accomplis-vous. Parents. Quelle est racine? Quel est son résultat? Des enfants, un se chibon là-dedans. Un là, ce n'est pas bon là-dedans. Jalousie rentre dans son équerre. Tellement jaloux pour son propre frère, il a tué son propre frère. C'est qui bon l'amour? L'autre là, il y allait maintenant sous la malédiction. Maudit. Qui personne pas touché, etc. Il dit, etc. Ici, il y a ceci vacabond. Il y allait. Bon, erreur, qui erreur un parent faire mauvais? Mauvais choix et qu'un mauvais décision. C'est même qu'il nous enseigne l'église. Moi, enseigne ça pour mes enfants. Il y a même autre chose pour mes enfants. Je dis, nous, la terre, nous ne pouvons pas connaître quand nous y aller.
Un des pieds déjà finira dans le trou, un des pieds en est au trou. Comme le film finit, mine sa race. Dire, un des pieds déjà dans la terre, un des pieds finira dans la terre. Mais il faut des fois quand mon pied allait, mon pied allait avec chou, parce que Dieu finit aux hommes, Dieu finit vraiment connaître le bien. Il faut des fois qu'avant mon aller, mon pied allait régler mon la vie. Mon pied allait régler la vie de mes enfants, parce que mon pied allait l'héritage. Faut dire mon qui t'aime l'héritage de la bénédiction dans vos générations qui de la terre. Faut dire vos générations bénies, 3e, 4e jusqu'à 7e génération. Maintenant pour nos enfants, ils héritent sa bénédiction pour ce parent qui fait là. Pour lui gagner sa bénédiction là, faut dire moi, parent, mon besoin de faire quelque chose qui est agréable. Vous avez fait ce qui est beau. Amen, amen, amen. Parce que tout monde qui ne sont pas bons, mon frère, il y a une malédiction, il y a une malédiction. Amen. Mais quand on fait avec ceux qui ont une malédiction, une conséquence, ce qui m'ont fait là, ils vous suivent. Moi, sa malédiction là, mon 3e, 4e, 7e génération. Tu comprends ce matin? C'est un qui nous est chrétien, tant capable, tout ce qui est dans tout manger, mais ce qui appelle les péchés n'a pas fait. Un jour, pour expliquer là, ben, le lien ancestral héréditaire qui amène une malédiction. Faut de quoi quand on le quitte, on allait jamais pas entendre un grand djimoun qui restait dans la terre, qui va ben, l'autre grand djimoun en aller, quand les autres générations, les autres enfants, ils grandissent. Une génération, on a 3-4 enfants. Tous les 4 enfants, la vie malheureuse de la terre. Et là, ceux qui volaient, ceux qui droguaient, ceux qui bille. Ceux qui sous l'or, l'autre il a crassé dans la prison, l'autre saute dans la prison, l'autre fait crime, l'autre battait. Parfois tu dis, comment dire, une génération qui a une malédiction. Les gens qui ont grandi vont dire, mais c'est qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Qu'ils ont dit, contre le qui n'a tombé aujourd'hui. Parfois, Jimoun, moi je dis, Jimoun est humain. Quand on peut faire 10 tours, je procède de faire 10 mal, je gagne plaisir, je suis content. Quand pour le prochain, peut souffrir, peut vers cela, on peut pleurer. De content, je te réjouis. Mais qui garde pour toi des mesquites au collet, toi? Qui garde pour toi? C'est pour dire, jamais n'a pas réjoui nos malheurs, nos procès. Demain, quand les enfants peuvent passer une situation, faire ça, jamais n'a pas dit, il est bon, ça, qu'est-ce que pitié à le faire, qu'est-ce que scandale, là, sa famille, là, ses enfants, là, à dire quelque chose qui n'est pas bon encore. Mais, demain, qui est gardé pour ça? Donc, Dieu nous résume de battre la mort qui tape ton bout, de faire tout, de faire ça, au content. Mais qui est gardé demain pour ça? Toi-même, en faisant cela, qui te peut attirer l'autre à toi? Est-ce que bon Dieu peut prendre plaisir? Quand tu peux prendre plaisir, le malheur de ton camarade, est-ce que bon Dieu peut prendre plaisir à l'autre? Nous avons trouvé la brise bien à la direction, après, plutôt à la brise à virer. Amen, 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 amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen, amen. Je donne la brise, allez, vous savez, déjà comme ça. Moi, tout canapé verse comme ça. Maintenant, tout canapé reverse comme ça. Il reverse le même. Amen, amen. C'est un petit de cause indienne, un grand du monde, on a peut-être dit ça. J'ai essayé de corny. J'ai essayé. Ça, c'est ok. Je veux dire, ce qui nous s'aimait, ça même nous récolter. Mais je veux récolter Adam et Ève. Ses enfants viennent récolter. Qui fait pour un mauvais choix qu'ils viennent faire. C'est un qui nous enseigne l'Église tous les temps. Tant capable de vivre dans l'amour, vivre dans le pardon, vivre dans la réconciliation. Attendez ce matin. Amen. Pardonnez, content au procès. Qui l'a fait, il va le faire, lui rend son compte. Mais toi, n'as pas à le résoudre en faisant de mal à sa personne-là. Parce qu'il ne te connaît pas pour toi, tu mets qu'il est réservé pour toi. Et toi-même, tu ne connais pas qui te permet dans ton génération de demain. Qui te permet dans ton génération, Pas faire. Tu te permets de pas faire. Qui peut être aux générations? C'est un qui dit, moi je fais peur de mes enfants, le son, mais je m'explique cela.
Mais je te connais tant capable. Réunis nos bons enfants, nous mettons autres en accord, nous enseignons les autres, content, pardonner, etc. Nous enseignons les autres. Nous enseignons les autres. À ce moment-là, je vais dire aux enfants tout. Enseignons les autres. Pourquoi moi, on a l'avant toi, ou ça, toi, l'avant qui moi. Mais vous voulez, quand vous quittez la terre, vous allez, vous voulez quitter l'héritage de la bénédiction. Vous quittez mon allée. Tout ce qui m'ont fait, le mot trajet, des mots, la mort, la terre. Ça demain, sa bénédiction là, il y a arrosé, il y a rôle de nos générations. Amen. Parce que nos générations, vous prenez des enfants, vous prenez des petits-enfants. Vous prenez des petits-enfants, ce petits-enfants. Et ça, quand les poils levés, les poules lèvent nos générations. Parce que c'est nos générations qui me peuvent préparer. Mon papa, tu as 9 enfants, c'est ce génération. Mon 1 génération parmi mon papa, dans ce génération. Pour faire comprendre ce matin. Mon papa, tous les temps, Jimoun Dieu, tous les temps, comme mon papa, tous les temps, il a fait du bien pour Jimoun, il a rendu service même. Pour faire mon maman, elle cause un peu bon avenir avec lui. J'ai tant de fermes, tu as pas mal à comment je fais, qu'est-ce que tu agis, qu'est-ce que tu as laissé une femme au père, ce qui dit bien. Ne pas chaque fois qu'on nous dit. Je suis occupé de faire société, de faire des choses religieuses, je vais occuper. Tu as tout quelque chose, on a fait l'attente, l'équipement pour mariage, pour l'amour, j'ai ses responsabilités. Et j'ai une équipe qui travaille en ligne dans sa comité là. L'autre mandat, l'autre tricher, l'autre ramasse finance, tout brousiste, papier, casse pas trouvé. Fais la casse pas ces matériaux. Vous voyez, moi, pas qui faire? Moi, pas à la case, il prend un cahier, mon gars, en ligne. Elle ramasse une contribution volontaire. Les gens pour rendre le quartier Tio pour rendre l'attente. Des vêches et la moyenne pour tout, ou venir pour le cadeau. Il y a un amour et un appareil là, venir. Je vais avec mon papa ensemble. Parce que ce n'est pas quoi l'écrire, moi je peux écrire. Il fait bon travail. Mais dans bon travail, c'est pour Dieu vous glorifier nos Jésus-Christ ce soir, ce matin. Donc bon travail, il n'est pas qu'il compte bon Dieu. Avant qu'il quitte la terre, il compte bon Dieu. Et quand il monte là-haut, avant il monte là-haut, le 9 enfants, les 8 enfants convertis dans celui qui a âgé du Christ. Dans son génération. Dans son génération. Et dans des serviteurs de Dieu dans son génération. Des serviteurs de Dieu dans son génération. Il fait un bon carnet après ça. Un bon travail. Il fait simple. Il fait prendre une bonne décision. Il fait faire le bon choix. Comme les malades, ils disent, tu crédit, bah, ils s'en et bah, ils s'en prends ta bonne groupe dans ton bois. Elle tape des gros, bah, l'autre tape le groupe. Elle tape des gros. On va dire, elle boit, toi. On l'envoie dans la boutique, ils boivent ici. Ils prennent crédit, ils mortent le second, mais ils boivent sur la soirée. Amen. Ils ne prennent qu'aucun 5 sous. Et avant les mots, tout sur l'équipe qui travaille ensemble, tout bonnet, puis pleut, bagage, il arrive. Mais il élimine jusqu'à 96 bananes. Tu comprends ce matin? Amen. C'est pour cela, chaque parent qu'il est tant capable de faire du bien. Amen. Vive dans la justice, dans la loyauté. Vive dans l'humilité simple, humble devant Dieu. Amen. Quand Dieu peut prendre plaisir, peut bénir toi, il n'est pas seulement bénir toi, papa. Les bénis de génération qui vient. Amen. De génération qui vient. Et je dis, tous les 9 enfants là, ils sont mariés. Tous les 9 enfants de la case. Et ça, qu'il y a rétabli, un joli rétablissement de bénédiction. Amen. Ça, qu'il y a une jolie richesse, il peut vivre. Parce qu'il fait bonnes choses. Amen. Vous comprenez ce matin? Amen. Pas qu'existe pour aujourd'hui. Pas que l'on y a un néné, pas que ce qu'il y a Stella, pas que ce qu'il y a passé Stella qui voulait faire ça. Non! Qu'est-ce pour plus tard? Qui ça pour donner plus tard? Amen. Comment ça pour être plus tard? Comment ça pour terminer plus tard? Dis-moi qui quitte la terre, mon aller. Mon bon enfant, comment ça pour terminer pour mon bon enfant? C'est un Dieu de tous, tout, mais pas tout ça, PC là. Pas vivre d'un PC. Arrête de vivre d'un PC, saute d'un PC, relâche le PC. Tout ce qu'il y a dans toi, des mal de PC qui nous fait, nous donnons ça à une mauvaise future génération qui pour lever, nous donnons ça à une mauvaise question dans notre la vie. C'est un qui appelle ça le transmettre de l'esprit.
nous transmettre nous aller. À cause de ça, moi, dans mon prière, tous les jours, moi, l'idée dans mon prière. Moi, l'idée. Parce que dans vos générations, dans vos familles, tu as tel malade. Maman, beaucoup de gens, tu connais ça? Beaucoup de partout, docteur, l'hôpital, la science, tu dis. Vous connaissez? Parce que dans vos générations, il y a ça, vos papas, tu as ça, vos mamans, tu as ça. Vos papas, vos mamans, tu es capable, il y a ça, pour lui, de vos générations. Mais maintenant, mon n'est plus à sa génération de malédiction. Je dis mon fils d'Abraham. Je dis mon enfant de la bénédiction. Amen. La bénédiction du pouvoir, la guérison du pouvoir ce matin. Je demande la guérison. Dans ton bénédiction. Amen. Si les gars, à malade, pas besoin de dire qu'il m'a aussi pour gagner sa malade là. Mais parfois, j'ai la chrétien, il a accepté. Donc, deuxième question de Bouguetier dans le vide maintenant. Deuxième question dans Matthieu 27, 21, que la Bible parle nous, le gouverneur, c'était Pilate. Regardez pas une mauvaise décision sous conséquence en cause. Les mauvais choix. Comment là finalement Jésus devant Pilate? Parce que qui fait? Jésus me presse la vérité. Qui me presse? Jésus me presse la vérité. Peut guérir du monde, peut délivrer du monde, peut sauver du monde. Alors finalement, un mécontentement, une jalousie qui vient lever au milieu d'un prêtre religieux. Voilà, fait un coup monté. Maintenant, amène devant Pilate, toute la foule vient suivre finalement de la cour de Pilate. Quand il arrive là-bas, Pilate est maintenant déposé. Qu'est-ce que le problème? Voilà, et Pilate, cet homme peut créer trouble dans l'endroit. Il veut faire ceci, cela, il veut parler ceci, il veut coller le ciel, il veut dire à son papa, bon Dieu, etc. Donc, une histoire. Mais comme Pilate, écoute ça bien. Il dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, mais tu veux guérir du monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut sauver du monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut cause la vérité. Et Pilate écoutait. Pilate écoutait. On va tout rien de mal dans cet homme. Amen. On va tout non, qu'il est fait de mal. Qu'il est fait. Qu'il est. Dieu qui sont de mal qu'il est fait. Mais voilà que j'ai plusieurs. Mais Pilate, analysez. Qu'il est fait. Analysez. C'est ça qui est pour autant pour ça, chrétien. Ça va prendre une décision. Ça va faire un choix. Analysez. Pilate, il fait un choix. Mais qui Pilate fait? Amen. Un qui veut dire l'autre. Pilate, t'es inquiété, bêta. Il n'y a pas d'être complice. Parce que vous avez du mal après. Il n'y a pas d'être complice. Pour la souffrance après. Il n'y a pas d'être complice. Là, sur la main. Il y a la foule. Maintenant, vous êtes capable de dire quelque chose. À chaque fois qu'il y a une fête, quand cette fête-là finit, le Dieu nous fait quelque chose, nous relâche un prisonnier. L'idée de décider les autres mêmes pour qu'ils ont pourri la scène, pour qu'ils vous fassent fermer. À ma droite, et dans Jésus-Christ de Nazareth, qui je peux donner tout qu'à des titres, je peux dire tout qu'à des choses, et moi, vous trouvez innocent. Et à mon gauche, Pilate même dit, Pilate dit, à mon gauche, Barabbas, c'est un bandit. Je suis fermé la casse. Il logue. Et dans la foule à terre, tout peut passer, peut coller. Hé, j'ai crucifié Jésus. J'ai déjà l'autre Barabbas. Hé, j'ai l'autre Barabbas. Hé, j'ai l'autre Barabbas. Hé, j'ai l'autre Barabbas. Il n'a pas une autre pièce. Ben, l'argent, il a cité du conscience du monde. Il a cité de silence. Il a cité pour autres. Il a cité autres. Comment on va dire? Autres la vérité. Faire tout du monde participer. Tu as participé. Participer dans une profession. Participer dans un mauvais choix. Mauvais choix. Pourtant, Pilate, le gouverneur, c'est boss là. Il me dit, il vous lave la main là-dedans. En bas, les peuples, prendre mauvais choix. Les autres font le mauvais choix, ils ont dit, l'homme Barabbas. Tiens, c'est un choix ça. Tiens, un choix ça. Choix là, accompagné d'une décision. Décision maintenant, crucifiez-le. Quand ou soit mauvais, ou décision, mauvais. Quand
Quand ou soit les mauvais ou décision c'est une décision de prendre la Barabbas. Une décision. Un choix. La Barabbas, un choix. Crucifier Jésus, c'est une décision. Sa décision et sa alguer des autres qu'ils ont fait. Alors qu'on a pas dans la foule crier, crucifier les qui se disent tombe-l'eau, nous enfants. La plus tonne de notre multiplication, Lola. Quand tu es déjà ça, je vais gagner sa génération. Parfois, on ne connaît pas qui nous causait, nous cause naïf. Nous cause n'est pas. Cause n'est pas, peut prendre fausse décision, peut prendre et mal faire les choix, peut prendre fausse décision. Après, nous cause n'est pas, par exemple, qui nous peut causer. Mais il y a une conséquence, il y a une conséquence. Il y a une conséquence après. C'est qu'il choisirait sa choix là, sa décision là, et à son conséquence, son résultat, conséquence. La Bible dit, je l'homme Barabbas, et n'amène Jésus-Christ, il crucifie. Quand il finit de crucifier, il rend le dernier soupir, ben c'est que c'est le Romain bien. Et là, il va dire, c'était vraiment le Amen. Qui se finit Père mon Dieu. On prend les comme ça, hein? C'est promener pour dire qui nous a le faire, mon Dieu? Qui crime nous a le faire, ça, innocent là? Tu n'as voué tes enfants, nous l'a crucifié tes enfants, nous tuer tes enfants. Qui crime nous a le faire, papa? Regrettez pas, regrettez. C'est moi l'amour de Jésus-Christ extraordinaire. Avant de rendre le dernier soupir de son âme, de son esprit. Père, pardonnez-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur. Je n'ai pas fait un mauvais choix. Je n'ai pas une mauvaise décision, Seigneur. Pardonnez-leur. Troisième chose. Dans Genèse chapitre 6, verset 5. Il parle-nous de Noé. Il dit dans Genèse 6, 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout dimanche, je te l'ai fait une vie de l'émal, mais pratique le mal dans la terre. Mais ça même quand même qu'il m'a dit dans un monde pourri là, dans un monde corrompu là, dans un monde qui n'a rien à pas bon, tu n'as crime, tu n'as pas péché là. Dans tout cela, tu as une famille qui, bon Dieu, tu peux prendre plaisir. Amen. C'était Noé. Amen. Noé, un serviteur juste et intègre du monde. Dieu est pour les justes fidèles. Il vit dans la justice. Là, c'est l'amour mon Dieu. Dieu Noé pour envoyer un déluge sur la terre. Rends un grand lard, un grand bateau. Qui fait rendre un grand bateau? Tu rends un grand bateau pour savoir un dimoun en déo là aussi. Qui prend mauvais choix, qui ne vit pas de mauvais dimoun. Je te l'ai chaque jour. Tu peux remplir avec ma pensée le mal. Pour savoir là aussi, Dieu te prépare une place. Qui devait être dernier l'air, soit capable de changer de choix, de refaire de choix dans ce cas. Au lieu de manger, de boire, la guerre, touiller, vivre dans l'adultère, vers le sacrifice, vers l'autre, au moins tu as un sens de décision. Dieu, tu peux atteindre dans les lettres, nous disons le sens de décision. Mais malheureusement, je fais un choix. Soit là, d'accompagner une mauvaise décision. La conséquence de sa mauvaise décision, je vis dans les péchés, dans les erreurs là. Finalement, tout Jimoun l'osa la terre là, dans l'amour. Un déluge infini, tout Jimoun fut parié l'osa la terre là. Sauf la famille de Dieu. Sauf la famille. Mais Dieu nous donne l'occasion de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise décision. Mais bon Dieu, son grand amour, il nous donne juste sa sens là. Et quand nous guettons le livre de la Genèse, chapitre 6, le verset 6.
La Bible dit, l'Éternel Dieu regretta d'avoir fait tant sur terre. Et quand t'es mauvais nous. Jusqu'à qu'il va le faire, mon Dieu, regretter que nous. Vous connaissez ça? Là aussi, l'amour, mon Dieu, il regrette, il refait une alliance avec une nouvelle génération. Là, si sa nouvelle génération-là, elle faute encore, elle péché encore, dans un mauvais choix, mauvaise décision. Dieu fait une troisième chose encore. C'est pour la deuxième maintenant, laisse-moi vous indiquer pour une cause avec les autres, qui coste en moi, avec moi, lit dans moi, et pour cause aux autres la vérité, au moins ça n'est que pour tester. Mais là, oui, Jésus-Christ, pour sa génération. Et sa génération là, si combien peut écouter Jésus-Christ maintenant? Combien peut écouter? Combien peut faire ce que Dieu peut dire faire? Combien? Combien peut marcher d'après la parole de Dieu? Combien? Là, c'est n'importe quoi peut faire. Maintenant, une troisième conséquence pour venir. Troisième conséquence là. C'est un qui appelle la venue du Christ. Tu peux pas sa bateau là, tout courant qu'Adam enlevé. Ce qui restait maintenant dans la terre, c'est la grande tribulation. La grande tribulation. Amen, amen. Bon, donc, c'est pour cela qu'il est important de terminer maintenant les Paul nous dans, et dans l'évangile. Quand nous guette, et pareil pour moi, et tenant mort et Marie. La Bible parle nous dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 42. Il dit, oh, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie, il fait le meilleur choix qu'il fait. Un meilleur choix et une bonne décision. Ce choix qu'il fait, il s'est intéressé pour connaître la vérité. Ce décision finalement est assise au pied de Jésus. Et pour terminer maintenant, nous guettons un coup dans Josué 24, nous terminons là. Josué. Josué 24. Josué le chapitre 24. Il y a Deutéronome. Josué, c'est juste après Deutéronome. Josué, le chapitre 24. Et un verset extraordinaire. Ça veut dire le choix d'une personne a une grande importance. Ça. Le choix qui nous fait, il est capable de venir d'une grande bénédiction, mais il est capable de venir d'une grande malédiction aussi. Maintenant, il y a le choix de Josué qui est dit. Josué, le chapitre 24, le verset 15. Il dit, et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu de Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais il dit, sa décision. Avec ce soir. Qu'est-ce que ce soir avec cette décision? Il dit, moi, avec les autres, pour qui ils ont servi. Le Dieu de ce monde-là, c'est qu'ils ont envoyé un parent pour servir. Avec les autres, fais ce choix. Après décider. C'est moi qui décide. Mon choix qui me fait, il dit, moi et ma maison, nous. Servons l'Éternel. Moi et moi, mon Dieu, vous prenez la cause des crocs-là pour nous comprendre. Et regardez. Qui t'a envie de faire, toi le faire. C'est moi et vos enfants, vos madames, vos familles, ma dos. Moi, mon père, c'est du monde. Amen. Moi, mon père, moi, c'est bon Dieu. Moi, mon père, faire ce qui bon Dieu, t'a moi faire. Moi, mon père, moi, dans ce parole, moi. Moi, mon père, humilier moi devant mon bon Dieu. Pas d'être ce matin? Moi, mon père, soumettre moi avec mon bon Dieu. Moi, mon père, dire mon bon Dieu, moi-même, la poussière qui m'a été moi, dans de plus grand, qu'est-ce qui t'es capable de faire pour mon Dieu? Moi, je ne peux pas dire bon Dieu, mon indécision, pourquoi moi, je ne peux pas prendre un bon Dieu, aide-moi pour prendre une bonne décision. Ça, c'est vos choix. Et dans vos choix, c'est vos décisions. Amen. Maintenant, où soit qu'il y était, ou libre. Où soit qu'il y était, ou libre.
qui décision vous parle pas ou libre. Mais seulement le choix que vous proposez pour famille, pour foyer, pour monsieur, pour madame, pour enfants. Demain vous pas pour là pour bouche lisier, vous finissez de prendre une décision pour génération. Si sa décision là est mal, elle n'a pas bon, même qu'une boussige ou n'allez, sa génération là va subir la conséquence de vos mauvaises décisions. C'est clair? Amen. Il comprend? Amen. Ce qui n'est pas comprend, mettez des boucles sur des lames. Vous prenez un petit coup de colère, on va assurer. Mais la scalaire, tu es déjà pensé à même tout. Pense aux générations. Tous les jours, on va prier, Seigneur, bénis vos enfants, bénis ça, bénis ça. Si moi-même, je peux faire injustice, si moi-même, je peux faire le mal, si moi-même, je peux vivre dans les péchés, qui se soit péché là en dans les cassettes, je peux pratiquer ça, péché là dans les secrets, moi tout seul. Ça, péché là, il est abominable, divin bon Dieu. Moi pour transmettre ça démon péché qui dans moi là. Moi pour transmettre ça dans un au moins dans la vie de mes enfants, moi pour transmettre ça. Ce qu'ils ont dit, moi peux faire n'a pas bon dans cassette. Dis-moi sa main pour rendre la vie de mes enfants. L'issue, ils peuvent faire même bêtise qu'ils m'ont fait faire aujourd'hui dans secret dans cassette. Sa bêtise là pour réplique dans son avis encore. Les lèvres de faire, je sache, tu saches, nous sachons, et ça c'est même. Racine là, c'était toi sa parole. Amen, amen. Toi sa parole. Si tu te vives un ami droit, propre, pur, sain, sa enfant génération derrière toi là, à travers ton ami de la sainteté, de la sanctification, sa enfant là, les purifier derrière toi ensemble. Sa enfant là, les sanctifier. Ce qu'il a bon dans toi, les transmettre dans ces enfants-là, les couvrir dans ces enfants-là, les pénétrer dans ces enfants-là. Comme les enfants, nous pouvons aller comme ça pour nous remonter un problème. Comme les enfants, dans petit l'âge même, je fais la musique. Et quand ils disent, je vais bien. L'autre poudre, il se disemmène dans sa musique. L'autre poudre, il ne va pas être un bon guitariste terrible ça. Faire plaisir, va faire plaisir. Faire plaisir, va plaisir. Mais quand on parle à quelqu'un, une faiblesse, papa là, tu es là, une faiblesse lambada. Cassé américain. Tu comprends? Est-ce qu'il fait plaisir, les là? Non. Tout drapé, moi, c'est plus bonne chose que vous ne connaissez pas mon Dieu. Ou drapé, ou battu, ou pili, ou détenu, mais c'est que mon fils. Il va pas. Parce qu'il n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Il sait qu'il concerne le monde spirituel. Pour la race, ça va déraciner sa racine. Sa parole-là, ce qui sera, va déraciner ça. Ça dans le monde spirituel. Par exemple, il y a un papa, cause foutant, cause gros, gros chien sur la carte. Belle flair comme ça, il a envoyé un peu le jour pour la flèche, pour l'impôt, tellement papa fait la gros pour l'impôt, il ne peut pas traverser, il la tout dans la case là même. Les flèches là, donc qui peut tomber dans la case, tout, ou famille, enfants, passer à table, ou faire les flèches là-haut, quand il va tomber. Hein? Demain, quand on gagne 60 ou 65 ans, puis il a 22 ans. Quand Esther lui lève sa main, les fleurs, elle m'a envoyé mon roi. Comme ça, tu as causé ma tasse. Avant que tu tapes, hé, Chombo. Ton fleur, ça. Ton sémence, toi qui sèmes ça dans mon ami. Toi qui peux taper maman, fais une batte, fais une gros affaire, ton Dieu, fais deux affaires. Ce qui te fait mon gaieté. C'est mon empreinte. Ton empreinte dans l'école, non! Ah, demain, mon enfant! Qui t'a quitté avec ta génération? A ce temps-là, sa piscine-là, quand il est grand, il est marié. Sa même manière, il est prenant. Moi, il est un petit fils de Jimoun.
trappé Pinel, il y avait pour camion fleur, il y avait. Parce qu'il y avait Tony Malé dans le planté, il y avait pas camion. Mais il y avait pas camion ici. L'ici, il y a un problème. Ici, nos enfants, les enfants qui étaient sous enfants-ci, ils ne pouvaient pas parler. Trappé, batte, batte. Qui te batte? Batte comme toi. Tous ces monstres. C'est un tiers au terminé. Pour ça, dirty là, nous donnons que my man. Nous sommes la terre là, nous sommes voyageurs de désordre. Dieu, ô l'homme, Dieu nous verte l'intelligence. Il nous verte l'idée, il nous fait être clair, il nous fait être comprendre. Il nous fait être la vérité. Il nous enseigne toi pour mort dans la justice. Mort dans la justice, toi, divin, divin. Tous les enfants, si vous suivez ta pour mort dans la justice. Amen, amen, amen. Faire qui saute qui droit aux yeux de Dieu. Ben, les enfants là, pour que toi, tous les autres, tous, ben, les voisins, faire comme ça, mais son papa, jamais, pas de faire comme ça. Le papa, je suis voisin, lui. Il peut suivre papa là, lui. Pas tant d'autres ce matin. Amen. Mais si papa là, même travers, ton batté, dressé, ton mettre dans le gifet, ton tapé, ton haute, pour faire un coup de respite là. Jamais, plus ça, pour dresser. Il faut pas que les bras tellement tapés, tu vas glaner. Mais petit, pas vous dresser. Mais vous comprenez? Vous connaissez quand petit, pas vous dresser? Jour qui te rappelle, fait sa délivrance, il déracine ton racine dans lui. Ça joue là, enfants là. C'est jour qui ça, enfants là, comme ça, Jésus-Christ là, comme un pisé, connaît. Tu n'as pas fait chrétien. Ton compte Jésus. Mais c'est moi, laisse-moi dire toi, mon frère, aussi. Ton compte Jésus, mais ton compte Jésus, comme un pisé. Amen. Tu ne parles pas de Jésus pour moi, Pichel. Peut-être que Pichel passe dans une circonstance, il parle pas de Jésus-Christ. Il faut qu'on lit la vérité. L'année vous dire, si mon papa, tu marches pour moi, Pichel, marche. Jamais ne tu peux comme ça. Et il pas pour le bon Dieu, toi, hein? Il pas pour le bon Dieu, son papa, toi. Parce qu'il s'est vu le même bon Dieu, Pichel. Il faut dire, mon papa qui ne peut pas marcher. Mon papa pas tu connais vivre, mon papa pas tu connais faire les bons choix, mon papa tu prends mauvaise décision. Gézodi qui conséquence qui nous peut payer, nous peut payer. Tu comprends l'église ce matin? Amen. Laisse-moi nous les bouches. On reprend, arrêtez même, mais pas qu'à moi. Comment on te dit? Je crois que Jésus t'a prié à dire cet esprit qui te fait la main. Mais moi, on va pas. Nous allons nous laisser fermer ce matin.